Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. Alors Nicolas, rappelez-nous brièvement en quoi consiste l'accompagnement fiducial auprès des créateurs d'offices. Alors, l'accompagnement traditionnel, je dirais, que connaît bien le marché notaire, c'est l'accompagnement informatique autour des aspects logiciels, que ça soit la rédaction d'actes avec la solution signature ou bien encore la comptabilité et la négociation immobilière. À cela, il faut bien entendu rajouter les aspects matériels, réseaux et autres qui sont liés à ces aspects logiciels. Deuxième axe d'accompagnement. Alors deuxième axe, un axe également très fort dans le groupe, c'est tout ce qui est lié à l'expertise comptable et bien évidemment à l'accompagnement de l'évolution de l'entreprise sur les aspects juridiques, fiscaux ou bien encore sociaux. C'est l'accompagnement historique de Fiducial. C'est ça. Troisième axe d'accompagnement qui est absolument incontournable aujourd'hui en 2018, si je puis dire, c'est la création des sites internet. Puisque le créateur, face à ce besoin de communication impératif qu'il a, doit créer un site internet grâce auquel il pourra rayonner sur les nouveaux vecteurs de communication. Voilà, on l'oublie très souvent d'ailleurs. Oui. Dernier axe, Nicolas. Dernier axe qui ont également leur importance au sein du groupe fiducial, c'est l'aspect mobilier et fourniture de bureaux dont le créateur va avoir besoin, bien entendu. Et enfin, l'aspect bancaire, puisque aux côtés de l'acteur majeur que constitue la Caisse des dépôts et consignations, le groupe fiducial peut, en complément, avoir une offre de financement, une offre bancaire grâce à Fiducial Bank. Merci Nicolas, c'est clair. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site fiducial.fr, rubrique notaire création d'office. N'oubliez pas non plus de nous poser toutes vos questions à l'adresse qui s'indique en bas de l'écran. Nous y répondrons, Nicolas et moi, avec le plus grand plaisir. Merci à vous Nicolas, à bientôt. Merci Philippe, au revoir. Au revoir.